Oh, à la maison, on a eu un truc terrible. 15 jours maintenant, on a reçu un canard vivant à la maison. On l'a reçu un dimanche matin. Oh, ben, maman a dit, on va pas le tuer aujourd'hui. Elle dit, on va le laisser trotter jusqu'à demain matin. Elle dit, demain matin, on l'aura sous la main. Alors, le lundi matin, le canard était toujours vivant. On peut pas le retrouver. On le cherche partout. Il était monté sur le buffet, dis donc. Sur le buffet, il était là, tout là-haut, sur le buffet de la salle à manger. Oh, ben, papa, il dit, c'est pas dur. Il dit, c'est bien simple. Il dit, je sais pas comment il a fait pour monter là-haut. Mais moi, il dit, je vois bien comment on va faire. Il dit, il y a qu'à mettre la table. Il dit, sur la table, on mettra une chaise. Sur la chaise, on mettra un banc. Puis moi, je monterai sur le banc. On mettra même un bottin sur le banc. Et moi, je monterai sur le bottin. Alors, moi, je me suis dit, c'est peut-être la bonne qui va monter, comprenez-vous? Non, maman a pas voulu, mais Et alors là, c'est là que le drame a commencé. Et quand je dis, parce que c'est papa qui est monté. Enfin, quand je dis qu'il est monté, c'est façon de parler, parce qu'on a tous eu l'impression qu'il passait son temps à descendre. Mais enfin, des fois même, il est tombé avant de monter sur la table, des fois. Et c'est quand la chaise a été sur la table que papa a commencé son numéro de voltige avec accessoires et double saut périlleux carpé. Alors ça a été émouvant, hein. Là, on sentait bien qu'il allait se passer quelque chose, mais on pouvait pas prévoir que ce serait si grave que ça, forcément. Remarquez, de la façon qu'il s'y prenait, c'était forcé qu'on le ramasse à un moment ou l'autre. Mais enfin, même un gars du métier aurait pas pu penser que ça irait si vite. Alors, il a d'abord fait un rétablissement sur le dossier de la chaise avec montant dans un barreau, extension de la jambe droite et recroquevillement du mollet autour d'une rallonge. Ça a été sensationnel. Et tout de suite après, glissade sur les rotules avec tournoiement dans l'air et réception au tapis avec mâchoire sur radiateur. C'était fantastique. Et ça, c'était que le début, ça. Alors là, quand le soir vers 5 heures, on a vu la chaise sur la table, le banc sur la chaise et papa sur le banc, il y a eu un moment de silence et papa a dit, maintenant, vous allez me passer le bottin. De quelle année qu'il a demandé, maman? Alors il a dit, passe-moi suite 50, il dit, parce que suite 49, il manque 3 pages, je serais trop juste. Ça vous prenait là? Oh, ce monument que ça a été, mon. Et alors, là, voilà, c'est ce qui a foutu tout par terre, c'est que chez nous, c'est pas haut de plafond. Alors, quand le vieux s'est relevé sur le bottin en disant, ça y est, paf! Il y a eu comme un bruit d'essayant avec chute d'un avion lourd de B-212. Oh, maman, alors là, ça a été... Si papa s'était pas raccroché au buffet, dans un sens, il y aurait eu demi-mal, vu que des suspensions, on en trouve encore à bon marché, et que des glaces de tuiles cheminées, on peut en avoir avec des bons de lasmeuse. Mais enfin, le fait était là. Et alors, c'est que nous, on n'a rien vu du tout. Quand le buffet est tombé, on est tous rentrés dans le buffet, et il n'est plus question de... Maman était juste, elle, où c'est qu'il y a les raviers et la soupière en métal. La bonne, elle s'était filée la tête dans le tiroir où il y a les quittances. Et moi, j'étais dans le haut, avec ma timbale en zinc de première communion. Ça a fait un machin extraordinaire que c'était. Et puis alors là, qu'est-ce que vous... Toujours est-il que le mardi matin, le canard était toujours vivant. Et alors là, il a dit maintenant, il dit, il n'y a plus de gants à prendre avec le canard. Qui dit, papa, il dit, je vais chercher la hache à fendre les bûches. Alors là, on a senti dans l'immeuble qu'il y avait une odeur de sang, mon. Et il y en a eu du sang. Il y en a eu quand il l'a laissé tomber sur le pied de maman. Il y en a eu quand il a filé le manche dans l'œil à la bonne. Et il a failli en avoir, parce que moi, j'ai vu passer la hache au moment où c'est qu'il a tapé sur le canard en plante, un faux, qu'on avait sur une cheminée. À ce moment-là, la hache s'est démanchée, j'ai vu le coin qui m'est passé à 3 cm de l'œil droit. Et il est rentré dans le baromètre. Vous dire, cette atmosphère qu'il y avait à la maison, c'est pas croyable. C'était cornélien. Lien. Cornélien, c'était. Enfin, le jeudi matin, le canard était toujours vivant. Remarquez que moi, je sais ce qui s'est passé à ce moment-là. Papa a dit, écoutez, il n'y a plus qu'une chose à faire, je vais chercher le fusil. Non, okay, a dit maman qui avait déjà vu les horreurs de la guerre. Je ne veux pas... Laisse-moi embrasser mon fils, qu'elle a dit. Avant de se glisser sous la bibliothèque. Alors là, papa, il a mis 2 cartouches dans le fusil. 21 dans la bandoulière et 18 dans la poche de son pantalon. Comme atmosphère, c'était sensationnel. Aux 15 premiers coups de fusil... Alors là, aux 15 premiers coups de fusil, ça a fait un scandale. Du côté canard, il n'y a rien eu. Mais alors, à chaque coup de fusil, il tombait quelque chose. On serait cru dans une baraque foraine à la foire du trône. C'était extraordinaire. Vous pensez qu'on ne voyait pas, nous, à cause de la fumée, forcément, mais on sentait bien qu'il se passait des choses anormales. À la fin, quand papa a eu épuisé les munitions, il a ouvert la fenêtre. C'était pas la peine qu'il ouvre la fenêtre, puisqu'il avait viré tous les carreaux dès le début, mais enfin,
Et le vendredi matin, le canard était toujours vivant. Alors là, papa dit, je vais faire appel à des chasseurs. 14 qu'il en est venu. Ils ont mis la hausse, là, sur le fusil. Ils ont coincé le canard sous l'évier et ils ont tiré tous les 14 ensemble. À 70 cm, deux cartouches par fusil, ça faisait 28 balles qui sont parties d'un seul coup. Et le seul qui n'a pas pris de plomb dans les pieds, il en avait plein les fesses. Et il s'est demandé d'où que ça venait, vu qu'il était derrière tout le monde et qu'il avait, lui, tiré dans le plafond. Et le samedi matin, le canard était toujours vivant. Alors depuis, il continue et on le nourrit avec des navets. Que des navets, que des navets.